Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Activation des systèmes d'armement. Arme activée. C'est bon, tu peux attaquer le transport. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais plus sur quelle planète on est, hein. Attends, je vais te le dire tout de suite. On est sur Karwan. Alors, je suis vraiment pas doué pour le pilotage. Transport Blark détruit. Il a détruit en refusé de l'aide. Un autre transport au moins. Il semble qu'il ne reste plus que 3 vaisseaux. Ouais, un autre au moins. Il n'y a plus que 2 vaisseaux. Oh là, c'est serré. Oh là, c'est serré. Et le dernier. C'était le dernier. Merci les gars. On dirait que vous avez eu tous les transports. Mais il reste à éliminer ce vaisseau de guerre. Le blindage des robots de guerre est fait d'un alliage de raritanium. Si on parvient à propulser un de ces robots à une vitesse suffisante, je pense qu'il pourra pénétrer la coque. Génial! Et comment on fait ça? Ton kit d'armes contient un turbo-aimant. Je suis en train de réécrire le logiciel pour isoler le blindage des robots de guerre. Ah, voilà. Tu devrais désormais pouvoir attirer les robots grâce au turbo-aimant. Ok, je vais essayer. Alors, le vaisseau a pris cher, mais ça va super vite. Donc quand tu prends deux vagues de robots, t'arrives à niquer la moitié de la vie du vaisseau. Donc on est parti pour essayer de retrouver des petits robots. En même temps, ça va pas être trop compliqué, tu vois, garder soin un petit peu partout. Hein. Voilà, là, il y en a 5. Faut que j'en retrouve 5 autres. Oh purée. Maintenant faut que je trouve le gros vaisseau. Ah bah en fait ça va. Voilà. Ça, c'était fait. Bah, c'est fait maintenant, pardon. Alors, je sais pas si tu vas voir les cinématiques parce que à chaque fois, tu vois, j'ai le logo enregistrement qui s'enlève, qui se remet à chaque cinématique. Mais franchement, ce jeu pour un remaster et tout, il est vraiment pas mal. Alors c'est ce que je te disais, ça va super vite. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut, ce qu'il faut. Dans 8000, j'ai une autre arme. Donc ça va quand même assez vite. Ça, les diamants, moi je te les conseille. Ça te permet d'améliorer tes armes. D'ailleurs, je vais te le montrer après. Hein. Bah, normalement, on a fait un petit tuto au début, si tu t'en souviens.
Alors on essaye d'aller le plus vite possible parce que dans 10 minutes je m'en vais travailler et Chichi est toujours en retard. Comme d'hab. Hein. Enfin tu le sais. Hein. Personne n'est parfait, on va dire. Ah, ça je l'ai pas encore. Alors j'alterne, hein, je prends mon temps également. Comme ça tu vois j'ai toutes mes armes qui évoluent en même temps. Parce que j'ai souvenir que j'avais arrivé au boss de la fin, j'avais deux ou trois armes qui étaient améliorées et les autres c'était la galère. Alors tu vois, après t'en as qui sont quand même beaucoup plus durs à niquer. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de les faire tomber, tu vois. T'en as que c'est assez dur. Enfin, fais gaffe quand même à ta vie. Hein. Je dis ça, mais est-ce que 6 de vita? Ouais, d'accord. Pourquoi pas? Alors là, tes armes sont niveau 1. C'est la misère, comme tu peux le voir. Hein. C'est très long. Après, t'as ton marteau. Si tu veux aller plus vite, hein, tu prends ton marteau. Mais comme je t'ai dit, moi, j'améliore vraiment toutes mes armes. Donc dès que tu peux, tu prends un petit boost. Hein, t'essayes de reprendre toutes tes munitions. Alors là, je fais tout le parcours. Alors tu vois ce que je disais, faut faire gaffe quand même, hein, y a des trucs qui pètent. Non ! Putain, je pensais que ça passait, fais chier. Alors tu vois là, j'ai perdu tous mes boulons. Alors là, tu vois, n'aie pas peur et n'hésite pas, tu vois, le monde n'est pas très très grand. N'hésite pas à revenir sur tes pas, à aller rechercher des munitions, tu vois. Voilà. Ok. Maintenant, ça suffit.
suffit. J'appelle les Rangers Galactiques. On les a tous eus. Aïe aïe aïe, c'est pas évident. Alors tu vois, même en ayant fait le monde, hein, tu t'en prends encore plein la gueule, tu crèves, voilà. Je suis mort, je suis au paradis des geeks, incroyable. Ils ont amour, gloire et placement mitraille, le fangoïde au bâton, ouh, Spiro, l'élan de l'espace, ils ont même la méga édition ultra limitée de Intransigeance, Fall of Blarg. Vous aurez du contenu bonus avec celui-là si vous précommandez avec Gadgetron. Vous devez être les gars dont Cora m'a parlé, ceux qui ont besoin d'une amélioration Helipack. Et tu dois être Hal, ravi de te rencontrer, je suis Clank, et voici Ratchet. Eh bien, les amis de Cora sont aussi mes amis. Le courant passe entre elle et moi, mais aucun de nous n'a encore fait le premier pas. Monte sur mon établi. Je vais m'occuper de toi. Je replace la carte sœur, je reconnecte le port, et c'est bon. Et c'est pour voir. Ça m'a l'air nickel. Pour retourner au QG des héros, c'est simple. Continue dans cette direction jusqu'à ce que tu trouves la gare gravitationnelle. Ça t'y emmènera directement. Merci encore, Hal. Nos héros étaient propulsés dans les airs grâce aux performances étonnantes de leur helipack. De mon temps, seuls les héros de mon envergure pouvaient effectuer des sauts aussi impressionnants. Heureusement, le nouvel helipack de Clank leur permettait d'effleurer les exploits. Jusque là, tout va bien. Voilà, on prend le maximum de boulons. Moi, j'ai toujours pas le multiplicateur et là, ça commence à m'en faire chier. Totalement merdé. Et il n'y a pas de truc pour me soigner. Ok. Bah c'est pas grave. C'est meilleur comme ça. C'est meilleur quand ça pique. On est plus très loin de la gare maintenant. Imagination. Alors tu vois, ce qui me fait chier, c'est que les chiens ils suivent. Oh là là. Non! Putain, il y a manqué un! Mais non! Putain, j'allais me dire que putain, quel prodige! Ah, deg! Je vais devoir arrêter la vidéo en plein milieu! Et puis devoir la reprendre demain! Bon. C'est la fin de cette vidéo, je vais aller travailler un petit peu moi. Je te reprends, bah, je te ferai le montage après. Hein. C'est bon, je crois que j'ai donné assez là pour le moment. De toute façon, je prends cher depuis tout à l'heure. Je te passe ce petit moment, je te mettrai la partie où je suis le mieux lancé. Et voilà. Alors, je te dis à tout de suite. C'était Shirika. On est plus très loin de la gare maintenant.
Alors, on se retrouve pour la suite de notre aventure. Alors, comme je l'avais dit, hein, je partais travailler, donc du coup, j'ai dû couper un petit peu. Et puis, en même temps, j'essaie de speeder. Et malheureusement, bah, plus tu vas accélérer et plus tu vas faire des conneries. Je pense que je vais en envoyer un là-bas. Je vais peut-être même en renvoyer un autre. Voilà. Merde. Normalement, ils sont morts. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Faut faire attention, faut pas que je vais trop vite ce coup-ci. J'ai envie de crever comme, bah, comme hier. Alors oui, la suite de ce let's play se fait avec une journée d'intervalle. Donc je disais peut-être des choses hier que je me souviens plus. Hein, donc voilà, je fais pas trop attention non plus à ce que je dis. Alors tu vois, je te le disais, hein, ça va très vite à augmenter tes armes. Et ça va aussi très vite à crever dans ce jeu. Putain, il y a encore des chiens. Ah, les chiens, c'est les pires. Or tu vois, c'est ce que je te disais, tu prends, bah, tu prends du level, tu prends un petit peu de tout, puis en même temps on essaie d'esquiver. Hein. Alors tu vois, c'est ce que je disais, la vie elle part très vite. Puis il se rapproche les enfoirés. Bah là au moins je l'ai passé, tu vois, avec une petite nuit, une nuit de travail. Je me suis reposé un petit peu hier, voilà, tu vois, j'ai fait pour faire cette vidéo, je me suis dit allez, c'est le début, ça va pas me prendre une demi-heure. Bon, en fait si, ça m'a pris une petite demi-heure à passer quand même ce niveau. Bah, j'ai toujours pas fini, mais au moins là, tu vois, je suis passé. Après, avec la magie du montage, tu fais énormément de choses. Alors, normalement, t'as un boulon qui va se trouver par là-bas, si je dis pas de bêtises. Bah, je sais plus comment j'avais fait pour y accéder. Ah, on peut passer là, normalement. Voilà. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Bon, après, c'est pas un jeu trop compliqué, hein. Tu cherches un petit peu, tu fouines, et ça passe. Le but du jeu, c'est de trouver tous tes boulons en or. Donc c'est vraiment pas compliqué à les trouver. Tu cherches, tu fouines un petit peu. Après, t'as des vidéos, t'as certains youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos dessus. Je vais pas trop faire les vidéos dessus, ça sert strictement à rien. Ah.
excuse-moi, j'ai eu un petit coup de téléphone, j'ai continué le jeu. J'ai totalement zappé d'arrêter la vidéo en fait, j'ai juste continué. J'ai juste enlevé le micro sans faire attention. C'est pas très très professionnel, mais bon, tu m'en tiendras pas rigueur, enfin voilà. Donc là, c'est le petit entraînement de l'autre Kirk. Je crois que c'est comme ça il s'appelle, lui. Comme par hasard, je saute du mauvais côté. Voilà, ça va aller très vite. Bravo, tu as atteint le sommet de la justice. Tu dois ressentir la morsure de la vertu dans tes quadriceps. Et des courbatures aussi. Je vais aller trop vite, je vais faire le con, tu vas voir. Alors tu ramasses vraiment tous les boulons. Ok. Bon, ça va, t'as un kilomètre pour te poser, tu vois, le temps que ça s'enlève. T'as pas forcément besoin de faire un double saut. Au pire, avec le double, hein, en fait, tu peux... t'as le robot, tu vois. Donc, dans tous les cas, il y a moyen de se rattraper. Je te disais, c'est vraiment pas compliqué. Alors là, tu dois planer. Et t'es large. Voilà, j'ai tout ramassé, tout ce qu'il fallait. Voilà. On prend les caisses parce que la cinématique, voilà. Et c'est bon. Le deuxième boulon. Voilà. Tu as fini mon programme d'entraînement, à ce que je vois. Tu es vraiment plein de ressources étonnantes. Rejoins-moi devant le QG des héros. J'ai un autre exercice à te proposer. C'est quand même pas mal, tu vois, tous les décors et tout encore pour... Et dire que c'était un jeu de PlayStation 2. Franchement, c'est... Moi, j'aime bien tout ça. Puisque tu es l'un des nôtres maintenant, je me suis dit qu'il était temps que tu aies ton véhicule. Quoi ? Une corvette stellaire de classe G ? C'est pour moi ? Techniquement, elle appartient aux Rangers Galactiques. Mais si tu survis, si tu termines cette mission top secrète, mais néanmoins tout à fait faisable, elle sera entièrement à toi. C'est quoi cette mission secrète? Elle s'appelle Opération Étoile Filante. Félicitations, petit. Tu as été sélectionné pour l'opération Étoile Filante. D'après nos services de renseignement, le président Drake a un laboratoire d'armement de pointe dans la nébuleuse G34. Ta mission est d'anéantir son projet top secret sans, et j'insiste sur ce point, sans le dire à personne. Jamais. Je suis sérieux, ce sera notre petit secret. D'accord, mais... Je ne vois pas pourquoi. Merci d'attendre la fin de la présentation pour poser tes questions. Pour pénétrer dans le labo de Drake, tu auras besoin d'un crosseur, de ruse et du courage qu'on trouve généralement chez les rangers plus expérimentés. Tu rentres, tu détruis le projet sur lequel ils travaillent et tu ressors. Je suivrai ta progression ici. Bonne chance. J'aimerais rester pour ton départ, mais j'ai un rendez-vous urgent chez l'acupuncteur. Appelle-moi quand tu seras dans la nébuleuse G34. Je compte sur toi, Ratchet. Ça marche. Bah
nécessite de sauver Skinman Max. Donc en fait, on est obligé d'aller sur Aridia. Bon, on va aller sur Aridia, vu qu'on n'a pas trop le choix. Et j'ai oublié de prendre le petit robot au début. Comme je te disais à chaque fois, chaque mission. Il est où le truc avec les munitions, les... C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est là. Comme je te dis à chaque fois, t'as un petit robot à prendre. Bah t'as des armes à prendre et n'oublie pas de prendre tes armes à chaque fois. Ça peut toujours t'aider. Bon après normalement tu les retrouves dans le monde d'après. Mais je suis plus sûr, donc je préfère le prendre quand je peux. Je préfère même revenir sur les mondes des fois. Au moins toutes tes armes après tu dois les augmenter au maximum. Donc là on est parti pour un Aridia. Donc moi je vais te laisser là pour cette vidéo, je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure de Ratchet & Clank. Merci encore à tous ceux qui suivent cette aventure, ça me fait extrêmement plaisir de te faire ce petit let's play. Et je te dis à bientôt, c'était Chirika.